Quand Dieu te fait perdre quelque chose, ou bien permet que tu perdes quelque chose, le nombre d'années où tu n'as pas la chose n'est pas perdu en fait. Ok? Si tu as fait un business pendant 5 ans, tu ne vois pas l'argent. La sixième année, tout ce que tu étais censé avoir les 5 ans là, ça va venir en très peu de temps. Donc, on va voir Job chapitre 1. Ok, on va parler de Job ici. Job chapitre 1. Un jour, verset 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabaïens se sont jetés sur eux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé pour vous dire. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu est tombé du ciel, s'est embrassé les brebis, les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient dans la maison. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. En l'espace de 10 minutes, on va dire, selon la vitesse de parole de ces personnes, tout son univers s'est écroulé. Il a passé quelques mois, je ne sais pas combien de temps il a passé à attendre. La restauration de Job. Job chapitre 42. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double. Peut-être entre le moment où il a perdu et le moment où il a eu encore, il devait obtenir une autre portion. Donc, on a une fois doublé. De tout ce qu'il avait possédé avant. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel a fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Tous les gens, ils étaient où depuis quand ils souffraient? Le temps n'était pas encore arrivé. Ce sont les gens qui le connaissaient. Quand il souffrait, personne n'est venu lui donner l'anneau d'or. L'argent appelle l'argent. Recevez l'argent. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Tu crois que Dieu t'a déjà béni? God is not done with you. Oh, God is not done with you. He's just getting started. And I'm right here for it. Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Tu vois ton petit business là, tu crois que c'est tout. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Dimima et la seconde Kétia. Nanana. Il n'y avait pas dans le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Longue vie, argent, paix. Il mourut âgé et rassasié de jours. Ça, c'est ta portion. Toute chute que tu pensais être ta plus grande chute, je la transforme maintenant. Je réactive ce qui était mort dans ta vie. Je vous bénis.